Lorsque la situation climatique s'améliorera d'ici une centaine d'années, ces lieux sanctuarisés serviront de banque de semences pour la reconquête d'autres territoires. À bord de l'Argo, Richard Fitzpatrick sillonne la grande barrière de corail, ce joyau menacé auquel il voue tout son travail. La stratégie d'évolution assistée ayant fait ses preuves sur l'île de Rennes,